Outlast contient des scènes de violence intense, de sang, de contenu graphique d'ordre sexuel et de langage grossier. Bon amusement. Ok. Super. Nous rentrons en effraction dans cet hôpital psychiatrique. Oh. Oh merde. Ok, ça commence déjà très très bien. C'est cassé de partout. Voilà. Mon dieu, qu'il est moche. Frère. D'où la télé s'allume comme ça avec un cri de sortie des enfers là. Yes. Ah. Ok. Putain, je suis en PLS, les amis. Je suis désolé, mais je vais pas jouer longtemps, je pense. Autant des trucs off-naf avec des screamers et tout, ça va. Mais des trucs où t'es tout le temps sous pression comme ça. Ah ah, je suis à deux doigts de la crise de panique. Ah yes, un bras et des corps. Cool. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Je suis à bout déjà. Non mais t'as déjà un type. C'est là-bas que je dois aller. C'est bon, il a bougé. Il bouge. Il bouge, cet enculé. Ok. Oh merde, on peut aller là-bas. Et on peut descendre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais, on dirait des intestins, mais c'est bleu. C'est chelou. Merveilleux. Enculé! Non mais on est d'accord que mon personnage, il est complètement con. Il voit que les gens sont tarés, qu'il y a des morts, qu'il y a machin. Il se barre pas. Mais attends, ça veut dire que je dois aller vers lui là? Sa mère. Il y a un truc là-bas, il y a une porte. Ah. Mais c'est un zombie, c'est quoi? Ah ah ah. Non mais c'est pas possible. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Les mecs ils sont en train de regarder la télé. Je vais pas aller vers eux comme ça. Ah, attends, j'ai pas essayé ça. Yes! Coco! T'es vivant? Bon, on dirait que j'ai pas le choix. Oh, non! Non, mais si, j'ai compris en fait. Ils sont en train de regarder la télé et en fait, je dois passer derrière eux. Mais quel enfer!
Mais arrête de respirer aussi fort, bâtard. On va se faire repérer. Salut les gars, bien dormi? Ah ouais, d'accord. Ok. Pourquoi pas? Ah, je l'ai bien assommé. Quoi? Je te démonte la gueule! Non? Ah bah non. Genre je me serais caché dans l'autre, il m'aurait trouvé. Putain, mais je suis pas bien. Dans ce genre de cas, tu te caches pendant plus d'une journée. Là, tu bouges plus. Non mais franchement, on n'est pas bien là dans ce casier, hein? Il y a de la place, c'est cosy. Ah, il pourrait y avoir un petit poster de femme à poil, ça serait bien, mais bon, malheureusement. Ouais, bah, je vais pas continuer longtemps non plus, hein. Parce qu'il en va de ma santé mentale, là. J'en ai mal au cœur, tellement qu'il palpite. Va faire tout noir. Je propose de jouer à Dibou. Ouais, on va faire ça. J'ai vu bouger. Je vais me pisser dessus.
Mais je suis bloqué, espèce d'enculé. Ouais bah voilà, nique ta mère, allez, casse-couille. Allez, va te faire foutre.